créative aussi de la fleur, enfin, ce lien avec, avec, avec ce sacré, ouais, que vous avez retrouvé donc, chez les Unis, par exemple. Est-ce que vous pouvez évoquer également votre pratique de la peinture, mais c'est-à-dire vraiment physiquement, c'est-à-dire que la plupart du temps, vous travaillez à même le sol, ouais, c'est-à-dire en, quasiment sous forme de danse ou presque de rituel autour de la toile. Voilà, est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu cet aspect-là? Ben, en fait, j'ai un rapport avec, comment dire, avec l'aérien, toujours. C'est-à-dire, mon rapport avec la toile, elle est, je veux dire, elle est pas tant murale, parce que bon, j'ai beaucoup travaillé avec, lié à l'espace aussi, avec l'acrobatie, avec l'aviation et tout. Et en fait, il y a toujours cette vue aérienne des choses, au-dessus des choses. Donc, c'est ce qui permet justement d'avoir une chorégraphie autour de l'œuvre qui est différente de la verticalité, parce qu'on imagine toujours l'artiste peignant la verticalité, ça coule, il y a toujours cette pesanteur et tout. Là, il y a une apesanteur. Et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs dans ce rapport avec la peinture. C'est pour ça que mon travail est toujours lié au sol. D'accord. Voilà. Effectivement, là, on voit les traces aussi, justement, au sol de ces danses rituelles, en tout cas autour de la peinture. Oui, parce que c'est aussi une danse rituelle. C'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est une démarche. Le corps participe autant que l'esprit, autant que la main. Dire, c'est tout le corps qui est investi dans un geste, c'est un peu comme un tireur à l'arc, ou c'est un peu, je veux dire, tous les arts partent du corps, en fait, partent de l'émotion, il n'y a pas que le mental, je crois que les deux sont simultanés, quoi. C'est-à-dire qu'on pense les choses avant, et après, le geste, il se finit sur un espace. Bien sûr. Et c'est marrant parce que, je veux dire, il y a plusieurs visions. Je pensais à ça un jour, aux cinéastes, par exemple, les cinéastes japonais, comme Ozu et tout, ils travaillaient, ils filmaient toujours au sol. Nous, les Européens, on filme à notre regard vertical, à notre regard. Les Américains, eux, ils filment toujours avec des grues, avec des... Il y a toujours un regard différent, j'allais dire, chaque peuple a sa vision différente. Et c'est vrai que moi, j'ai plus une vision, j'allais dire, c'est pour ça que je suis proche des Indiens, parce qu'ils ont cette vision au-dessus des choses, je veux dire, il y a une sorte de comme Pollock, travailler justement le all-over, et il touchait même pas la toile, je veux dire. C'était un des premiers Américains à travailler de cette façon-là aussi. Et on retrouve un peu aussi les Indiens Navajo, les Indiens et les peintures de sable. Les médecins de main.